Bof. Yo. Alors, on s'était quitté avant-hier soir, du coup, après la visite de l'île de Virginie, qui avait une île vraiment sympathique. J'avais pu découvrir ce que c'était à peu près une île avec 400, 500 heures de jeu, un mois de jeu constant. Salut Hugo, comment vas-tu? Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi depuis? J'ai pas fait grand-chose, j'ai juste dit bonjour pour pas perdre ma streak. Et j'ai ramassé mes fossiles du jour. J'ai rien fait d'autre. Chez moi, vous voyez, ça a pas trop changé en vrai. Hein. Depuis la dernière fois, en tout cas. Humidificateur entreposé. Comment ça va, Hugo? Ok. Bon, on a quelques trucs à faire. Hein. C'est vrai qu'on peut modifier les émotes. J'ai oublié ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans nos mails? Porcelette. Oui, ça, c'est les navets, donc on s'en fout. Ah oui, on est dimanche. On est dimanche. Rambé, félicitations, t'as besoin de dépasser la barre des 10 000 points. Voici un petit cadeau pour marquer le coup. Je suppose que c'est plus on met de meubles, plus on met de meubles, plus. Jeter, on s'en fout. Plus on met de meubles, plus notre maison gagne de points, logiquement. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Fagnon de. Ouais, c'est super ça. On a des cadeaux pourris, on est servi en tout cas. Paf, donc ça, bah, on a entreposé. On en a rien à ce que pour l'instant. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste récupérer les minerais, les pierres et l'argile sur nos cailloux. Après, on va aller faire utiliser nos défis du jour. Et après, on va aller pêcher. On va aller pêcher pendant une heure et demie. Je vais essayer de choper la truite dorée. J'espère l'avoir. Ça m'en rendrait fou de pas l'avoir d'ailleurs. Parce qu'il me reste. Je sais pas, on est quel jour là? On est le 24. Ok. Sachant qu'à partir du mois prochain, la truite dorée est inchoppable à partir du mois prochain. Faudra attendre septembre. Donc j'ai pas envie d'attendre septembre. Hop. Une autre mode perso, ok. Hop, donc on a fait un ouf, faites le taper dans un caillou. Il va falloir planter un arbre aussi. Vendre un article phare. L'article phare, ça va être. Je crois que c'est facile à craft. Je sais pas ce qu'est l'article phare du jour. On va aller voir après. Oh non, putain, mais je recommence. Je sais pas comment il fait ça le perso. Alors que ma manette, elle est comme ça. Hein. Ça m'a à mon avis, ça m'a baisé des minerais de fer ou. Ouais. Merci le jeu, arrête de troller. C'est vrai qu'il y a masque à lui par ici. Hein. Mais. Ouais, c'est pas compliqué, putain. Je crois qu'on a 5 cailloux par jour. Si on en casse un, il y en a un qui repop. Je vais aller checker vite fait. Je sais qu'il y en a un là. Voilà. Merde. Alors, Spengy là, c'est l'aillette. L'aillette, elle permet de vendre des fringues. Malheureusement, elle vend rien d'intéressant. J'aurais voulu avoir un pantalon. Pantalon de costard ou n'importe quoi en fait, mais juste autre chose que ma petite jupe violette là. Et pour l'instant, j'ai rien d'autre. Minerai de fer, c'est très important pour faire nos outils. On en consomme beaucoup, beaucoup par jour. Il y a par exemple des anacs napolitains, il y en a partout. Je sais pas si c'est normal ou pas. Je ferai la truite dorée, puis après, une fois que j'ai ça, on pourra reprendre l'aventure parce que la truite dorée, c'est vraiment trop important. Je peux pas me permettre de la louper. Faut que je check le G-Doc.
que Rina m'a fait. Parce que je crois pas qu'il y a d'autres poissons qui se terminent en... Comment ça s'appelle ? En mai, tout simplement. Je crois pas. Je crois qu'après le reste, c'est plutôt ok. Pareil, hier soir, justement, j'ai fait hors stream, j'ai chopé un truc comme 150 palourdes. J'ai crafté 150 appâts. Comme ça, on va pouvoir farmer la truite tranquillement. La fruite. On va pouvoir farmer la truite, enfin, espérer l'avoir en tout cas. Et hier aussi, j'ai eu la petite visite de Runar. Qui est un PNJ assez rare apparemment. Qui permet de choper des œuvres d'art. Et hier, j'ai eu ma première œuvre d'art. Checker s'il n'y a pas des trucs, il n'y a pas un caillou ici, mais je crois pas. La punaise, on s'en fout. Ok, bon, bah, ça m'a l'air d'être bon. Je crois que j'ai pas d'autres cailloux. J'en ai peut-être un en bas là. Allez, descends, mon petit. Je sais plus où il est. Allo? Merci. Ah, il est là. Il est là, ce petit polisson. Ce qu'on va faire. Parce que hier, je me suis loupé sur ce caillou-là. On va vraiment se mettre là. C'est vraiment chaud. Hein. Allez. Encore un. Ok, on s'est pas loupé. Parfait. Parce que ça, c'est beaucoup de sous. 4000 le sac? Ah ouais! Entre 2000 le sac et 4000 le dernier. Ça c'est bien, ça nous permet de rembourser notre emprunt si j'ai pas de bêtises, il ne manquait pas grand chose. Hop! J'ai vite fait s'il n'y a pas un caillou là, mais je suis quasiment sûr qu'il n'y en a plus. Ok, allons rembourser notre emprunt. On va poser nos trouvailles de cailloux et de fer. Dans notre maison. Alors le Nuxtop, le DAC, on va rembourser notre emprunt. Ah bah j'avais déjà pile en fait. Ok. Clochette en épargne. Paf. Alors on a remboursé notre troisième emprunt du coup. On va pouvoir augmenter notre maison. Ça y est, tu as fini de rembourser le prêt pour ta maison. Tiens, bonjour, monsieur l'OVNI. Bravo, tu es l'heureux propriétaire d'une demeure considérable dans le pays jusqu'à la dernière clochette. Je peux à peine imaginer la joie que tu éprouves. Quoi de plus voluptueux que de rembourser un emprunt, hein? Enfin, on peut toujours faire mieux. Tu pourras rejeter une pièce, par exemple. Je dis ça au hasard. D'ailleurs, tu ne fais pas attention, loin de moi l'idée de vouloir te forcer la patte. À moins que j'ai piqué ta curiosité. Bien sûr que t'as piqué, mec. Ah, monsieur l'OVNI. Bonjour. En quoi puis-je t'aider? À propos de ma maison. Dans le cas de ta maison, je verrai bien une nouvelle pièce. Nous installerons au fond pour que ça n'affecte en rien pour ta maison. Que le gain d'espace. Par ailleurs, nous pourrons ainsi maintenir des coûts raisonnables. Enfin, relativement raisonnables. 348 000 ridicules clochettes. C'est parti, hein. Ça va me débloquer des places dans l'entrepôt et ça, c'est bien. Bon, 350 000 clochettes, on a mis 2 jours pour faire 200k clochettes, donc logiquement, il me faudra 4 ou 5 selon la vitesse à laquelle je farm. Ça c'est fait. Allons poser ça vite fait. Alors, il faut que je prenne ça. Et on va poser les pépites, l'argile et les cailloux. Canapé, j'en ai 2 sur moi, je crois. Ah, je crois que j'en ai 2 sur moi, des canapés. On va juste équiper l'arrosoir pour arroser ça. J'arrose 8 fleurs. Ah, logiquement, c'est fait, voilà. Paf! Des deux classes gratuits, on dit pas non. On va crafter 3 trucs, on va crafter des on va crafter des petits appâts en plus.
tant qu'on est là. Donc il me faut 3 palourdes. On check aussi sur le s'il n'y a pas un énorme poisson sur les côtes. Merde. Il y a pas mal de poissons. Hein. Pas se mentir. Notre musée il est bien vide. Non, referme le trou, merci. Alors, où est-ce qu'il y a des palourdes? Là. Encore une petite et ce sera bon. Voilà, parfait. Histoire que je fasse pas une heure et demie de craft comme j'ai fait hier. Parce que hier, vraiment, je regardais un film. Et pendant que je regardais un film, je spammais la touche A de ma console pour crafter cette connerie. Je vais mettre un petit établi là. Non, établi. Comme ça, j'en aurai un dans ma maison et un ici. Histoire de pas toujours retourner dans ma maison si besoin est. On craft nos trois petits appâts et après on va aller pêcher. Je crois que j'avais rien d'autre à faire aujourd'hui, je crois. Bah, ça, en théorie, je suis censé faire tous les meubles pour les maisons qui est derrière, mais j'ai le temps, on va dire. J'ai largement le temps, on verra plus tard. Non, merde. C'est bon, j'ai bricolé ce que je voulais. Donc ça, c'est bon. Le Nook Miles, il sonne, bien évidemment. Alors. Planter des graines de fleurs, on le fera pas. Et vendre un article fleurs, on va juste faire ça en speed. Voir ce qu'est l'article phare. Merde, ça j'aurais pu le capturer. Les bupres, c'est dès que je les vois, faut que je les capture. Ça coûte 2000. Ça vaut le coup. Et puis malheureusement, aujourd'hui, le musée est fermé. Pour rénovation. On va déjà vendre ce qu'on a. Le panneau qu'on a. Hein. Hop, ça vaut absolument rien ce qu'on vend. C'est fait au moins. Pour craft les piquets de troncs, je crois que c'est que du bois normal, pas du bois tendre ni du bois dur. On va regarder, mais. L'autre piquet de troncs. Ouais, c'est 3 bois, c'est ça. Alors, on va dans l'entrepôt, on chope du bois. Voilà. On va sur notre petit établi. On en fait un. Et on va aller le vendre tout de suite à la boutique. Ça fait. Alors en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? On va entreposer ça. On n'a pas besoin de hache. L'arrosoir, on peut le replacer par terre, on n'a plus besoin. Paf. L'inspire, on va le garder sur nous. Tout le reste, on va le garder pour l'instant, c'est pas très grave. Ça nous fait 2, 4, 6, 8, 10, 20, 20 places. Donc faut que je prenne 20 pas à peu près. Sachant que je peux poser en vrai ça, j'en ai pas besoin. Et la deuxième pelle non plus, normalement, reposer, voilà, ça nous fera encore plus de place. On va regarder ça au cas où on tombe sur une bête rare, ça peut arriver. Hein. Et ça, on va l'entreposer aussi parce qu'on n'a pas besoin pour l'instant. Ok. Donc prenons des appâts. On va en prendre 20 par 20, on va faire des allers-retours, mais. Bon, ça nous permettra d'être tranquille. On a crafté ce petit lot de piquetron, on va aller le vendre à la boutique. Vu que c'est l'article phare, ça vaudra. Je crois qu'il leur rachète le double du prix qu'il leur rachète normalement. Donc ça va pas faire une grosse différence, mais au moins. Ça va me faire des Nook Miles. Sachant que des défis Nook Miles, il faut en faire un paquet. Hein. On en a fait une centaine, soit si je dis pas de bêtises, il en faut 5000. Bienvenue. Merde. Si je fais ça, est-ce que. Au pire, j'en crafterai un si c'est pas bon. Un autre piquetron, je le rachète des doubles de son prix habituel, c'est ce qui nous fait 720 clochettes.
Sans que j'achète les 3 bouts de bois. Ah, ça vaut vraiment le coup en vrai. Hein. Ça vaut vraiment le coup, mais ça me ferait utiliser tout mon bois. Ce qu'on peut pas se permettre pour l'instant. Ah, bah j'ai pas pris de canne à pêche. Le petit puzzle qui était juste là, je l'ai pris parce que je le trouve super. Et que j'ai déjà fait un puzzle comme ça chez moi. Donc c'était bien RP. Couper du bois, on fera plus tard. Planter des arbres et dépenser des clochettes. Okay. Merde. J'ai fait un autre succès, j'ai pas vu. Où est-il? L'arroseur arrosé. Ah oh, bah ça, faudra le faire aussi, ça prendra un peu de temps, mais... Faudra arroser du coup 50, 200, 500, je pense 2000 fleurs. Merde, j'ai un autre truc. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un peu d'ordre. C'est les nombres d'objets placés. Hein. J'ai faim de dents de bruit. Eh ben, j'y peux rien moi, Rina, c'est fermé. Faut vous ranger des trucs dans son entrepôt. Bon, ça va falloir attendre que la maison s'agrandisse, donc demain, pour en mettre 200. Et on va aller chercher deux cannes à pêche, on va les pêcher toute notre vie. Et on va essayer de choper une truite de rue. Sachant que je sais dans l'endroit où est-ce qu'il faut les choper, donc ça va juste être de la chatte. Ils ont pas répondu. Non, ils ont pas répondu. Hein. Je te dis, ils sortent tous nos pays, je pense. Canne à pêche. J'en ai plus de cannes à pêche. Oh, si j'en ai encore 3, ok. Et ben. Blacklisted. Très bien. Non, on reprend là. De toute façon, pour aller à l'endroit, il faut aller sur la falaise. C'est au niveau de la falaise qu'il faut choper. Il faut aller choper cette petite truite dorée. On va pas ramasser les trucs de bois parce qu'on va pas se prendre de. Déjà nos poches sont déjà bien pleines. Alors. Déjà. Ils sont forts Amazon. Ils sont très très forts. Alors je peux le pêcher là. Mais ce qu'on a il me dit rien qu'il vaille. Ou alors. Je vais me cacher devant l'autre fontaine. Fontaine, juste ici, voilà, là où il y a le poisson. Donc on va pêcher ce petit poisson d'ailleurs. La rine à monnaie en sang. Ah merde, ça va être chiant pêcher ça, non? Celui-là, il fait quand même le mort à la cascade là. What the fuck? Bah yes, foiré. Ça m'avait pas manqué hein. Vu qu'on se porte une jupe depuis 2 jours. On m'a notifié que j'étais en caleçon en fait. J'étais en caleçon et malheureusement c'est pas ouf le caleçon. Mais j'y peux rien hein. Il y a le vendeur de vêtements qui est là et il m'a proposé que de la merde. C'est pas si nourriture. On espère choper une truite dorée, on a 150 à part. Si on a 150 à part, je chope pas une truite dorée, je suis un peu déçu. Mais tu la vois pas là? Ça. Une truite. C'est juste une truite de base? Un ongle! Oh. Bon, ça sera pour le musée. L'ongle, je sais pas combien ça coûte. Voyons le GDoc. 3800, putain 3800 l'ongle. Et bah bordel, on en veut. Hein. Alors ça c'est un tout petit poisson, donc c'est pas ça. Merde. C'est pas un endroit parfait pour l'ancien, hein, le fameux Ogedoc. D'ailleurs Rina, il faudra la même chose pour les insectes, n'hésite pas. Hein. Si t'as du temps à perdre, hein, tu t'embêtes. Allô? Mort? Loge des temps. Ça vaut rien ça. Ouais, ça vaut rien. Ça pareil c'est de la merde. Putain de bâtard. Mort. Merci. Bon, je crois qu'on a une dizaine de poissons en vrai de la strip de poissons. Après on pourra être chaud, on s'en fout, mais là on va essayer de focus. Mmh.
Je vais pas regarder combien il me manque pour le fait, sinon ça va me stresser. On va juste viser notre meilleur vie de pêcheur. Voilà. Ça c'est dommage, je suis obligé d'avancer de recul à chaque fois. Ça pareil, c'est un petit poisson. Il faudrait un poisson à peu près de la taille de l'ombre au niveau de taille, donc c'est un truc un peu plus conséquent que ça quoi. Non, ça pareil c'est trop petit, ça peut être plus de la merde. Ça peut être 50 mètres comme ça. Le taille, ça correspond. C'est quoi cette... Ah c'est une vendoise. Ok. Donc il y a aussi des poissons trolls, ça je ne savais pas. À cette taille là il y a aussi des poissons trolls, c'est dommage. Mais bon c'est normal. Oh, oh. Une abeille. C'est une abeille. Une abeille naine. Trop rigolo. Ce sera pour le musée aussi quand demain je pourrai le rouvrir. Parce que malheureusement Thibault est en congé maternité. Hein. Mort. Merci. Allô. Bon, on va se faire troller beaucoup par des plus loges des temps, mais au moins. Ça nous fera de la tunas, parce qu'il nous faut 400k, n'oublie pas. 400k pour rembourser le prochain prêt. Ça c'est un gros poisson aussi. Oh, une vendeuse. Ok, donc c'est cette taille là. Faut que je retienne cette taille là, parce que cette taille là c'est le bon format de poisson. Et quand j'aurai fait ma taille de poisson, les autres je pourrais directement les tèche, voilà, ça c'est parfait aussi. Ah oui c'est un bar. J'ai oublié qu'il y avait des bars dans l'eau. Dans la bébétopédie. On a chopé l'abeille naine. Et là on a chopé l'omble. L'omble qui se chope de... Ah oui de 16h à... 16h à 9h du matin. Ok. Après l'omble, on pourrait le choper tout le temps. Donc c'est pas trop un problème. Est-ce qu'on a eu nos 100% d'affilée? Ça se trouve on l'a eu hein. On a fait un streak de 100, let's go. Maintenant, on peut foirer comme des connards les poissons, c'est bon, c'est pas grave. Il faudra empêcher encore 260 poissons. Kappa. Déchir, on a le temps. Ça aussi, ça va se faire tout seul. Il est pas lourd, il me manque un petit peu. Cool. Donc, le ballon et le bois, on verra si on en verra un. Hein. Donc, toujours l'objectif, c'est la truite dorée. Hein. Là, faut que je passe. Si je l'ai pas dans les 5 jours qui suivent, je suis vraiment dans la sauce. Elle est morte. On va avoir un paquet, on avait des conneries là. Je sais pas s'il y a des taux officiels pour les chances qu'on a de trouver ces poissons de merde. Ça m'a dit, c'est trop gros. Ou pas, ça se trouve, c'est la bonne taille aussi. Hein. C'est la bonne taille. C'est un inventaire full vendoise et loge des temps. Issou. Ça c'est gros, ça c'est un bar ça. C'est un bar sur un bateau de barbare. Oh mon petit. Le bar c'est 400 clochettes, si je dis pas de bêtises, donc c'est pas. Ça nous fait de l'argent. Si chaque aller-retour qu'on fait, ça peut nous apporter entre 5 et 10k, c'est très très bien. Oh merde, je n'avais pas vu l'abeille. Mort vite, mort vite.
Et l'abeille non. Ah, je vais la choper. Allez. Vite. Non, on part pas de l'autre côté. Allô? Non! Mais what the fuck? Oh bah chien. Mais bon. Si on en a déjà vu deux en moins de 10 minutes, c'est que c'est pas trop rare. Ce soir, c'est de la merde. Petit poisson. Mais on va tous les pêcher comme ça. Ça nous fera avancer dans le fait pêcheur. Parce que sinon, on pourrait faire la méthode bourrin à utiliser de la pas pour remplacer le poisson actuel qu'on voit. Mais j'ai besoin de tunas. J'ai besoin de masse tunas. Petit. S'ils pouvaient tous mordre comme ça, on gagnerait masse temps. Encore 4 poissons. Je vais regarder si la streak elle continue ou pas. Oh! Oh, je peux des poissons ici! What the fuck? Donc le poisson rouge, c'est le poisson rare du petit format de poisson. Ah, on peut être riche en fait ici. Ça sera pas une pêche inutile. Si on chope d'autres ombles, on va se faire 4000 gold à chaque fois. Si on chope des poissons rouges 3000, on se met bien en vrai. Vous savez quelle loge des temps. Bon, ma canne à pêche, je sais pas combien de temps elle va tenir. À un moment donné, on va sûrement devoir faire un aller-retour pour rien. Allez, je peux prendre un dernier. C'est un gros poisson. Sûrement un bar. Je pense pas qu'il y ait d'autres poissons autres que le bar de cette taille-là. On a chopé que de la merde. Hein. On va les poser. Nos trouvailles. Pour le musée de demain et on va les vendre tout le reste. La perche. Non, la perche. Aucun poisson, aucun insecte, rien. Du coup, dans l'ordre, ça, placé. Et mon ongle, placé. Yes. Puis là, si on a déjà tous les poissons, je fais pas de bêtises, je revérifie mes carassin loche vandoise, barre, poisson. Tant que la boutique ouverte, faut mieux rentrer dedans parce que sinon on perd 20% de clochettes. On va en profiter d'aller voir les deux zigoutos. Heureusement qu'il y a le poisson rouge qui nous fait au moins. Qui nous assure un peu de thunes. Ouais, si on fait 8000 clochettes par aller-retour, c'est bien. Hein. On va aller chercher des appâts. Et je pense que la canne à pêche va péter d'ici 10-15 poissons. Alors, on voit des appâts. Canne à pêche, on va en prendre. Est-ce que je prends une autre parce que je sens bien qu'elle va péter.
Et sur moi, qu'est-ce que je peux ne pas prendre? Bah la hache. Pour remplacer la canne à pêche. Voilà. Ça, on a toujours de la place sur nous. C'est reparti, hein. Bon, c'est vrai qu'on achète deux étoiles dorées. Une pour le musée, une qu'on garde au cas où, en cas de coup dur. Parce que ça vaut quand même 15 000 pièces, hein. Ça vaut 15 000 putain de pièces, cette connerie. Donc c'est OP. Celui-là, je l'ai pas, ce papillon d'acier. Non, je l'ai pas, celui-là. Fast. Non. Non. Ah, dessous de ma gueule, gros. Je suis en train de me faire une par un papillon, c'est grave. Hein. Et reviens par là, s'il te plaît. Je vais repasser de l'autre côté, il va revenir ici. Quel trolleur! Ok, là c'est bon, je l'ai quasiment sûr. Je crois pas que je l'ai celui-là. Non, tu as attrapé un troïde broukinia. C'est bizarre qu'on a six jeux de papillon. C'est bizarre qu'on ait des papillons aussi entre guillemets rares parce qu'on n'a pas de fleurs. Normalement, quand tu vois des trucs comme ça, il faut avoir des fleurs. Des fleurs modifiées génétiquement. Des croisements. Faut payer pour qu'à chaque fois qu'on a un petit poisson, soit un poisson d'argent, sinon. C'est pas ouf niveau de finance. Je veux juste regarder un truc, c'est si le haut fait pêcheur il continue de monter ou pas. Non, il monte plus. Dommage. On aurait pu avoir un kikimeter de speed de pêche. Premier arrivé à 10 000. Oh non, c'était la dernière heure pour le choper. Donc il nous restait 20 minutes. Je sais pas. Je sais pas comment ça vaut cette merde d'une loche. Ça vaut 400 clochettes aussi? Ah ouais? Ça vaut tant qu'un bar. Ok. Clochettes, si j'en veux un, ça fait 8000 ouais, ce soir. On a eu caillou, du coup. Le carat 50, ça vaut rien. Ça vaut 150 clochettes. Quelle arnaque! Si on arrive à l'acheter rapidement, il y a avant 18h, on va pouvoir commencer à s'attaquer aux meubles des nouveaux habitants. Il va falloir que je parte notre position pour choisir mes habitants parce que je veux pas que le jeu me file des trucs random. Hein. Moi je veux des trucs mignons. Hein. Bah, notamment la louve que j'ai chopé tout à l'heure. Monica, je crois que ça s'appelle. Elle, Monica, on l'avait sur l'île, hein, clairement. Et là, ça aura plus des loches. Paf! Des poissons de merde! On a pas encore eu un seul gros poisson, on a eu que des petits poissons. Enfin, un poisson de la bonne taille. Celui que vous voyez en haut de la cascade, c'est la bonne taille, je pense, pour les truites. Mais ça peut pas en être une parce que. Parce qu'il est pas au bon endroit. On va voir les autres truites d'ailleurs, les truites Trionx, Rivière, 4h21h. Tout à cette fois, donc ça c'est pas celle-là. Et une autre truite, j'ai vu une autre truite.
Y'a que des gens en vert en tout cas. Je suis arrivé le Jedi en même temps. Je sais pas comment s'appelle les truites. C'est une truite saumonée, moi, comme ça. Ça c'est un peu trop gros, donc ça c'est un bar. Ah, c'est bon, on commence à bien connaître les poissons. PTDR. Wesh, il faut donner, faut vendre sa mère pour avoir un poisson de la bonne taille, non? Reste dans le stepper quand les poissons ne meurent pas au bout de 5. Allô? 6? Est-ce qu'il y a vraiment une limite? Ou est-ce qu'ils peuvent genre pas mordre pendant 10 minutes? Tu veux dire que sur 20 trails on va en avoir aucun de la bonne taille? C'est moche quand même. Voilà, un poisson ange parfait, des tunas. Ça, je crois que c'est. Non, c'est la bonne taille, celui-là. Ça peut être ça. Enfin, une chance minime que ça que ce soit ça, mais. On a fait 15 trails quand même. 15 trails pour avoir un bon poisson. Potentiel, hein. En tout cas, hein, parce que. Tout ça pour une bandoise. On est très content. Bandoise, ça vaut 240. Ah, la baise. Exemple. Il l'a pas vu ce petit salaud. Comment va le farmer chinois? Ouais, je te fous ma gueule. Est-ce que t'as réussi à avoir ton ébène ou pas encore? Les vrais qui sont qui fâchent. Oh, deux poissons-anges. Ça va super, ça va super exemple. Merci. Je crois que c'est la bonne taille ça. Oui. Oh, c'est de la merde ce lancer. Il y a l'air d'avoir un. Oh non, c'est un pirate de l'arabe. Je pensais que c'était un fat papillon, vu l'ombre que j'ai vu. Et en fait, non, c'est juste de la merde. 10 poissons, je dis pognon. Hein. Ça, c'est gros, c'est un bar. Aïe, la sauce. Je sais pas, je peux faire combien de clochettes en une heure en faisant que de la pêche. Je vais calculer. Je sais pas combien ça vaut le papillon, mais je sais qu'il vaut à peu près moins qu'un bar, donc ça vaut pas le coup, je le capture. Ça me prend un stop pour rien. Ça pareil, c'est un autre bar. J'ai pas continué, j'ai commencé les quêtes d'alignement. Alors les quêtes d'alignement perso c'est le truc le pire que j'ai jamais vu sur un jeu vidéo. Hein. J'ai jamais vu des trucs aussi boring. Hein. Sans déconner. Hein. Les quêtes d'alignement de 9700, ça m'a pris un mois. Un bon mois hein, en vrai. C'était insupportable. Et puis la quête 100 là contre le dernier combat, mais what the fuck. J'ai jamais vu un combat aussi dur, un nouveau PvE. Hein. Les trois quarts des boss du jeu sont plus éclatés au sol que. Je m'en rappelle même plus comment il s'appelle l'évêque Chaffer, je m'en rappelle. Quelle horreur ces quêtes. Moi, honnêtement, c'est juste pour ça que j'ai plus envie de jouer de plus, hein, parce que j'adore le jeu, encore à l'heure actuelle, mais le système de quêtes obligatoire, parce que faut faire Illim. Hein. Oui, il faut faire Illizel. Après, je crois que c'est l'archevêque Chaffer, mais je sais plus son nom. J'ai oublié pour la dernière quête d'Elgnium. Mais t'as envie de crever, hein. Franchement, les quêtes sont trop chiantes. Hein. Ils n'ont aucune intéressante en plus. Bon, on aurait eu 3 poissons, je crois, de la bonne taille hein, sur 20. C'est pas ouf. 3 poissons-anges. Oh, ça, par contre, c'est fou. Mastunas. Ça m'est bien. Hein. Ah, je crois que c'en est un bon, ça. Ouais, c'en est un bon.
D'accord. Ma maison est possédée, les portes sont toutes seules. C'est une truite dorée. Non. On masse un lapin ou pas? Non. On chopons la pierrite qui est là. Vite! Puis barrons-nous. Un grand planeur? C'est pas un pierrite ça? Tu l'as déjà celui-là ou pas? Attendez. Je doute ma bite. Ah, la pierrite de rave c'est plus petit, ok. Oui, bah je l'avais déjà. Okay. Bon, on monte cette connerie. Malheureusement, il va en falloir quelques-uns des allers-retours. Hein. Ça, c'était sûr, de toute façon. C'est Mille et Milo qui viennent nous voir à chaque fois. Hein. Je fais tourner le business de l'île. Ah, c'est pas là, putain. Le problème, c'est qu'il y a, fossé entre les classes et que si tu maîtrises pas, impossible de combler. Il y a un ah oui, un fossé, okay, je comprends. Oui, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Je prends les trucs. Ça, ça. Non, 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 pas le papillon. Ça en fait de la merde, hein. Allez, 15 000. 15 000, non, ouais. 15 000, parfait. Commence à bien connaître le jeu, hein, au niveau des calculs, ça va. On a déjà fait 10% du 10% des sous qu'il nous faut pour le rembourser le prêt. Hein. Ça va vite, hein, en vrai. Je pense que ça se fait en 10 heures de jeu, peut-être. C'est pas le même papillon que moi, ça? Oh si. Oh si, c'est le même papillon que moi, ça. Non. Fast. Ah non, pas du tout. Putain, je me fais bait. Je me fais bait. Je me suis bien fait bait comme une grosse. Allez. Marché de lapin. J'espère qu'on aura assez d'appât pour trouver une truite dorée, moi. Hein. Sinon, ça me fout le seum. Appât. Sinon, va falloir qu'on aille retourner à la pêche. Issou la pêche. La pêche aux palourdes. Bah, surtout, toi, tu joues toujours au Ginac, si j'ai pas de bêtises, exemple. Au Ginac, c'est pas. Y a des, la plupart des quêtes sont relou à faire avec le Ginac. Hein. What the fuck, une montre religieuse! Oh putain, faut que j'arrête de courir moi. Oh, je l'avais pas vu, c'est con. Je suis déception là. Je savais pas qu'il y en avait dans le jeu. Coucou. Bon, en tout cas, il y a deux. Ah merde, j'ai oublié de la poser. J'ai oublié de poser cette saloperie, c'est pas grave. Putain, je relâcherai ça parce que ça vaut rien. Ok, direct on commence avec un bon poisson, ça c'est déjà un... Je vais prendre celle-là parce que c'est la rue. Elle va bien t'occuper. Sérieux? Sérieux? Non mais... Fais l'amour à la cascade aussi, putain. Oh! Bah voilà. Un saumon mazou, voilà, c'est ça. Saumon mazou. Ok. Donc ça, on l'avait pas non plus. Il ne manque que la truite dorée, du coup. Il y en a tous les poissons de ce biome là. Ok, trop gros, c'est un bar. Bah, en vrai, les quêtes d'aliments, je le jusqu'à la quête 50, c'est pas trop chiant. À partir de 51, c'est tellement insupportable. Ça m'a fait faire des cauchemars. Hein. Sur un bateau le barbare. Bon, le saumon mazou c'est pas si rare que ça en fait. Ça vaut que 1000 pochettes, hein. C'est pas. Les poissons rouges, j'ai mieux.
je pêche ce petit poisson après je lis ce que t'as écrit. Roublard, j'adore, mais je sais pas le jouer correctement alors que le sacré ma classe de cœur. Bah, j'ai torché le combat sans forcer. Voilà. C'est vrai que sacré c'est fort depuis qu'ils ont fait le rework. C'était déjà fort avant, mais alors là maintenant. La giga sauce. Putain, bâtard de poisson. Donc là où, là, si le coffre prend sur la falaise, bah voilà. Maintenant qu'on en avait un, on va en avoir qu'un 400. Un saumon mazou. Avec un peu de chance, on aura une. Un fort quand même. J'espère, hein. En vrai, dans une. Je pars pas, dans une. Dans 1h45. 1h45, je sais que c'est 30 mètres d'or. Et moi, j'aimerais en avoir deux. J'ai sacrifié Penisobal Pandore. Ouais. C'est vrai que tu joues 8 comptes. Hein. Ravageux. Hein. Poisson ange, 3000 clochettes, mesdames et messieurs, 3000. Ça c'est de la merde, hein. Carassin. Carassin c'est le pire poisson. Je me tâte vraiment les foutre à l'eau. Hein. Je crois que c'est mal lancé ça. Tu vois, moi j'ai vraiment un problème avec Dofus, c'est que je. Comment dire. C'est que je kiffe faire les débuts de serveur, mais dès qu'on arrive à rentrer dans une partie du jeu où il faut faire les quêtes Wabit, où il faut faire les quêtes Astral, où après il faut commencer les quêtes pourtres, il faut commencer les quêtes émeraudes, ça j'ai envie de tirer une balle à chaque fois. Hein. À partir du moment où tu les as déjà fait une fois sur un perso sur un serveur, hein, t'as pas envie de les faire. Pour avoir quasiment déjà tout fait sur Ilzael, ça va, je pense que le jeu je l'ai bien torché et que. Je continuerai à faire de temps en temps les temporis pour le fun, mais ça s'arrêtera là. Hein. Voilà, ok, donc ça m'a pris 65 poissons pour péter ma canne. Ça tombe d'où, bordel. J'ai pas encore des plans, ça se trouve, on peut craft des cannes à pêche encore mieux. Hein. Tout en cave plus, avec des pépites d'or et tout comme ça. Je pense que oui, en vrai. Je crois qu'elle aime la framboise. C'était bien parti, on avait pris deux saumons mazou et deux poissons anges. Et là ça s'est recalmé malheureusement. Franchement c'est le meilleur jeu. Hein. Vous savez que là je pourrais pêcher pendant je pense 10 heures d'affilée, je me fais pas chier. Hein. C'est grave. Hein, ouais. J'ai tellement pêché dans les jeux vidéo. Peu importe le méo que ce soit. Hein. Que ce soit Dofus, Monkey Pêcheur, que ce soit Guild Wars 2. Faire les quêtes, c'est pas ce qui me dérange le plus, c'est d'avoir cette instance à déplacer et seulement c'est d'implanter l'option suivante. Et ouais, mais ils l'implanteront jamais. Ils l'ont dit, ils ne l'implanteront jamais cette feature. Parce que ça faciliterait déjà le travail des bots qui. C'est déjà bien relou, je pense, à gérer leurs problèmes, ou de leur côté. Putain de barre. Ouais, c'est ça qui change le plus, c'est le déplacement. Hein. Parce que rien que pour le jeu d'un mais pour le tour du monde,
quand tu joues plus de 4 persos, c'est trop relou de déplacer les comptes à chaque fois à l'autre bout de la carte quand t'as pas les apps. Quand tu commences le serveur, j'ai envie de me tuer. Hein. Avancer sur 215, c'est pas marrant. Hein. Merde. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, j'ai. Ma truc de pêche, elle est faite. On va se dire que c'était un carassin, comme ça, on n'a pas de regrets. C'était pas un poisson ange. Par contre, celui-là. Celui-là, on sait pas. Hein. C'est de la merde. Allez, dernier poisson. Je vais le monter en haut, choper le gros. Hein. En vrai, je pense que je vais le faire. Sans on fera ripot. Super. C'est quoi, c'est une chance que ça lâche? C'est quoi le bail? Va falloir que je recrape. Hein. La strat pour avoir des branches est pas mieux. Hein. Ouais. On peut choper, je crois, 9 branches par arbre. Allô? Allô? Bon, il veut plus. Tour du monde, tu t'épais, mais oui, elle a bon tas au pire boîte noire à pied, c'est pas trop drôle, hein, clairement. Et malheureusement, la plupart des quêtes du jeu, quand tu commences, t'as pas les apps. Donc t'es juste dans la giga sauce. Ah, mais j'ai plus de canapé, de toute façon, je suis con. Je suis un peu bête, moi. Ok, donc j'ai cru que c'était une menthe religieuse, mais pas du tout. Encore un. Ah non. Ok, la case n'existe pas pour le jeu. Quand même 12, on va essayer d'en choper 30, comme ça nous fera des cannes à pêche. Allez, normalement c'est plus rapide que ça. Hein. Peut-être ces bois-là, peut-être le cèdre il est pas ouf ce bois pour choper des branches, parce que je sais que les espèces de frênes en bas ils sont beaucoup plus sympas, on va dire. Allez mon petit. Il est timide. Lui il est timide. Sachant que j'ai déjà eu mes deux meubles aujourd'hui, donc je pourrais pas en avoir. Allez, lâche les branches. What the fuck? Ils sont baisés ces arbres. Allô. Tac. On va pas ramasser les fleurs on va les laisser pour l'instant. Ça attire en vrai des insectes. On a combien de branches? 30, parfait. J'ai même 31 si je dis pas de bêtises. Je vais faire un masque à pêche ça. Parce que là c'est la sauce. Quoi, on a tous nos poissons, je suis bête. On va voir ce qu'on me dit. Voilà. Alors. Qu'est-ce que tu veux vendre? Bah toutes mes merdes en gros. On garde juste un saumon mazo. Tout le reste on a déjà. On va les poser ça.
11 000. Non, il manque un. Il manque un poisson ange pour que ce soit bien. Merde, j'en avais deux, je l'ai pas vu. Paf, le son mon mazou. Le petit papillon. On va le mettre dans la box. Hein. On perd 200 clochettes, mais c'est pas grave. 800. Et oui, je te connais le jeu. Je te connais. Le pire, c'est quand même les combats tactiques que je me fais défoncer à chaque fois. Bah, les combats tactiques sont pas tactiques pour un sou, hein. Ils sont juste chiants. Genre le combat de. Le Bolgrot là. Pour le, c'est pour le pourpre, ça, si j'ai pas de bêtises, le Bolgrot. J'ai envie de me tuer à chaque fois que je fais ce combat. Hein. Comme je t'ai dit, hein, quand tu m'as demandé de l'aide de l'autre coup, je t'ai dit, bah, je peux pas, parce que je sais pas faire en fait. Et il y a plein de combats comme ça dans le jeu qui sont vraiment juste chiants et pas marrants, quoi. C'est le problème. Pour un jeu qui se veut tactique à l'RPG, c'est un peu la gigasauce. On va en faire 4. Hein. Non, on va en faire 6 en fait, je suis con. On va tout faire, on va faire le plus qu'on peut, hein, 6. On a fait les 6 cannes à pêche, on les améliore et puis après on retourne sur notre petite montagne. Allez, il me reste 1h30 pour choper un putain de truite. Aïe aïe aïe. Paf. Allez, la dernière. Ça montre qu'il va être full canne à pêche. On va vraiment être un pêcheur RP. Hein. C'est vraiment ma vie la pêche. Hein. Choper des insectes c'est marrant, mais choper des poissons, quel plaisir. Quel plaisir. Allez, c'est quoi, ça me coûte un pépé de faire chaque fois? Ouais, c'est gratos. C'est gratos de l'améliorer la canne à pêche. Faudra voir quand je, si je peux avoir une amélioration d'outil plus tard, combien ça me coûtera. Si ça sera voir surtout. Comme ça en plus ça nous fait plein d'outils, plus on fabrique d'outils plus ça nous avance dans notre streak d'outils à crafter. Je crois qu'il en faut crafter un 500, peut-être plus, je sais pas, faudrait que je vérifie vite fait. Ok, c'est bon. Alors dans l'ordre, ça ça dégage. L'arme opérationnelle. Allez, c'est reparti. Truite dorée 5 étoiles. 5 étoiles de rareté. Hein. C'est au niveau du poisson rouge. Hein. Donc ça se fait. En vrai, ça se fait. C'était un gros truc. C'est vrai qu'il faut se méfier. Hein. Je vais arrêter de courir près des falaises parce que s'il y a une montre religieuse ou une connerie, on n'a pas envie de le perdre. Tu vois pas là? C'est ma gueule. Ah. Le Bolgrot, la première fois, j'avais bien aimé, mais j'ai réussi une fois sur 6. Oh, c'est ça. Hein. Pareil, je vais bien connaître, mais là pour le pourpre, l'avant-dernier combat là, contre les 4 minotaures de sel, minotaures de sang et compagnie. Est-ce que honnêtement je trouve ça marrant? Moi je trouve ça boring as fuck. Je trouve ça d'un chiant, mais d'un chiant incommensurable. Comment c'est mal fait et que c'est nul. Allez mon petit. Il y en a plein des combats comme ça en vrai. C'est le problème, il y en a trop. Il y a trop. Ils veulent bien faire hein, en théorie, c'est. Mais c'est pas rigolo.
Et le pire dans ça, c'est que quand tu fais, t'es TP à Strub et tu dois revenir à pied où t'étais. Pour que champ. J'avais un Guild 2 qui m'avait ping les cases. Ouais bah moi pareil, c'est quelqu'un qui me l'a fait parce que ça me faisait chier en fait. J'ai essayé deux fois. J'ai vu que je pouvais y arriver mais que ça me prendrait du temps, j'ai dit qu'à de la faire, j'ai demandé à un mec qui savait le faire par cœur et voilà, c'était d'air. Hein. Le fun. On se rappelle qu'on était à 262 poissons, on va checker ça. C'est quoi qu'on a eu? Ah oui, le saumon mazou. Checkons vite fait. Dis bonjour, bricolection. Plan de bricolage, ça c'est pas ça. Bricolage d'outillage. Voilà, il faut fabriquer 200 outils, donc 500 et 1000. 1000 outils il faut fabriquer en tout. Donc on a du temps et je voulais regarder un truc, c'était les fruits de la mer. Quoi? Non, ça c'est les coquillages, ok. Bah. Attends. T'es bien au fait ou tu dois... Non? Allô? Y'a pas un au fait où tu dois payer. Voilà, pêcheur sachant pêcher, pardon. 292. Sur 500. Putain. Et ça, faut choper. Ouais, faut remplir sa bébétopédie. Quoi. Donc ça, ça va s'arrêter quand même. Donc là, il nous manque 217 poissons. 217 poissons pêchés d'affilée. Faut choper le prochain au fait de pêcheur sachant pêcher. Allô mort. Poisson mange parfait, ça on veut des thunes, masse thunas. Si on pouvait choper, imaginez j'en chope 10, ça fait 30 les pochettes. C'est débile. Hein. Il y a que des barres. La bonne taille, c'est trop bon. Le doute m'a dit, je crois que c'est trop bon. Je suis un fils de pute, ouais, ça c'est dit. J'espère que c'est pas une truc dorée, sinon je me la coupe. Hein. Ils sont pas parallèles. Enfin, c'était un bon poisson en plus. J'ai le seum. Ça c'est un bar, ça. Dégueulasse. Heureusement qu'on a fini les 100 poissons. Parce que j'aurais eu le seum de devoir recommencer. Hein. Ça m'aurait cassé les couilles. Petit poisson orange là. Un beau poisson orange tout jaune. Et non. Le seum des loges des temps. Putain, y a pas de gros poisson s'il vous plaît. Pas de gros poisson, mais au moins juste un bon poisson. C'est très mal lancé ça. Ok, j'ai eu la chute. S'il allait vers le bas le poisson, il l'aurait pas eu. Non. Le pire. Je t'étais. Mon carassin tout éclaté au sol. Elle est mort. Direct.
chier. Je vais pas utiliser les 700 palourdes pour ça, pour rien quoi. C'est un bon poisson ça. C'est un bon poisson focus. Putain de bon poisson. Rendez-vous compte qu'on est dans une sauce pas possible quand même. Dès que j'ai plus de d'appât là, il va falloir chercher des palourdes. C'est pas marrant ça. Je le ferai sûrement ce soir en train du travail. Parce que Dieu sait que c'est pas rigolo d'aller pêcher des palourdes. Les allers-retours inutiles. Allô? Ah, il a pas vu. Avance d'un millimètre! Merci. Saumon mazou. Je crois vraiment un saumon quelque part mazou. Celui-là il est éclaté au sol ce jeu de mots. Un bar. On va voir à 17h30. À 17h30 on s'affaire une heure qu'on pêche. On va voir comment est-ce qu'on a fait de gomme en une heure en pêchant. On est presque à 40 000 gold là déjà. Je suis un fils de pute, mais c'est pas possible! Putain, et je loupe que sur les bons poissons en plus, c'est grave. Hein. Quel débile! J'étais juste persuadé qu'elle allait mordre, donc j'ai juste appuyé comme par réflexe comme un débile. Hein. Aïe aïe aïe. Gros poisson maintenant. Oh, j'ai le seum, c'est grave. Hein. En termes juste financiers, déjà louper deux gros poissons, c'est une perte de 2000 ou 3000 gold. Moi, c'est le gobi. Putain, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? Gogo le gobi. Gobi de mousse, on a déjà. Ah, c'était de la merde. Que des poissons de brasse. On finit sur un poisson, c'est parfait. La gobie, je sais pas comment ça vaut par contre. Une gobie d'eau douce, voyons voir ça. Gobie. Ça vaut 400. Ça. J'ai loupé deux poissons quand j'aime me couper les veines. Si j'aurais du skill à louper les poissons, je comprendrais que je les loupe. Pas de problème. Ça peut arriver de faire des erreurs, mais là, là c'est juste du trolling que j'ai fait. Et j'aime pas troller. Allez, mes petits, rachetez-moi tout ça. Oh, on a fait 35 000 gold pour l'instant. Je crois qu'on garde rien de toute façon. Non, on garde rien. Voilà. Ouais, on fait 50 000 clochettes en 40 minutes. C'est bien, ouais. C'est même très très bien. Alors, retournons chercher des appâts. Y'a pas de ballon vite fait? Non. La limande. C'était quand la limande? Octobre à avril. Bah chè. Faut l'attendre octobre. Hein. Non, qu'est-ce que je branle? On veut juste des appâts en fait nous. Hmm. Il me reste deux allers-retours à faire quoi. On est dans une sauce. Il me reste 60 appâts. 60 appâts, faudrait que je chope un putain de truite, sinon il va falloir repêcher des palourdes. Aïe aïe, j'ai pas envie. Allez le jeu, on est fort. Allô.
macaron. On n'a pas, pas vu d'autres insectes que ça. Vraiment, c'est déjà pas mal qu'on en ait deux. Hein. Si on en a deux par jour, on est bien. Hein. C'est même très très bien. Hein. C'est pas sympa pour un rêve. I have a dream. Mon rêve va rester inachevé, je pense, malheureusement. En vrai, si j'en chope pas en 150 try, je suis en mousse. Hein. Sachant que je hint les gros poissons. Pas plus fier de ma performance. Hein. Ça, c'est pas un autre train. Oui. Allez mon petit. Une belle truite dorée. Une belle truite dorée magnifique. Ta mère. En vrai, s'il y a que des poissons de la bonne taille, c'est bien. Hein. Moi ça me va. Hein. Allez mon petit, une petite truite dorée. Là on rentre vraiment vite. Hein. J'ai jamais vu autant de poissons de la même taille à l'affilée. Hein. Faut juste pas les feuilles maintenant. Il y a des vandoises dans ce coin. Rends l'argent. Si je chope, pas la truite, c'est catastrophique. Hein. Carassin, je vais regarder comment ça vaut juste par pure curiosité. Ça vaut 160. Et ça y est. Pas du tout. Oh! Oui, monsieur! Oui! Je vais quand même en choper une deuxième. Ça c'est... Putain, ça m'aura pris 100 try quasiment. Let's go. Oh, j'y croyais pas. En même temps, faut pas la vendre. Hein. Faut pas vendre ses grands noirs et misclip. Hein. Vraiment. Oh, trop bien. Je vais checker les objectifs de fait des poissons sur le jet d'oc que Rina m'a fait, mais je crois que c'est le seul poisson qui me manquait pour la période de mai. Et que je ne pourrais plus avoir avant un bout de temps. Oh la chatte! Allez, t'as gagné la pêche. Est-ce que j'ai mal lancé? Comme un gros yinche. Oh la truite dorée. Dès que j'ai fini ce voyage là, il me reste quoi, 8 poissons à pêcher. Je pêche ces 8 poissons là, d'après on va checker le fait GDoc, voir ce que je peux aller choper. Alors ce papillon là, je crois qu'il vaut pas une petite fortune, mais il vaut quelques pesetas quand même. Ouais.
le barbare. Viens là, petit papillon. Le papillon de lumière. En vrai, je sais pas combien il vaut. Sasakia Sharondorf. Il danse le cha-cha-cha. Cha-cha-cha, une danse très facile à danser. Hein. Pour les débutants en danse, c'est parfait. Allez, mon petit. Une deuxième truc dorée à d'affilée dans le. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Parce qu'en pêchant, je fais à peu près 70 000 clochettes par heure, si je dirais à peu près. Si j'ai pas de poisson là. Ah, de mener des petits poissons le jeu. Il me reste qu'on a trois petits poissons. Ça sera un bar. Parce qu'en poisson de mer, il nous en manque pas mal. Hein. En vrai de vrai. Il nous en manque pas mal de poissons de mer. On a eu aucun poisson à aileron. Donc des lunes et des. Les lunes de mer, tout ce qui est Raymanta, tout ça, on n'a absolument pas vu. Allez, mon petit. La lune des Vendoises, putain. C'est grave. Hein. Okay. Dernière chance d'avoir un bon truc. Oh, j'ai cru. J'ai cru y ressembler. Le son mazou. Allez, on a plus de pain. Barons-nous ici. Ça, ça vaut rien. Alors avant d'aller vendre, parce que j'ai absolument pas envie de misclick. Posons ça, cette belle truite dorée. Paf. Oh, qu'elle est belle. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? C'est tout? Oui, c'est tout. On va checker vite fait dans la boîte combien ça coûte. Merde. Checker vite fait dans la boîte combien ça coûte le papillon. Ça c'est bien 3000, ouais c'est 3000 et ça c'est bah 3000 aussi, ok, le pacton vaut 3000, ok, donc c'est worth de capturer cela clairement, parce que là rien que les deux poissons, j'ai le papillon, on est déjà là, je pense qu'on a 18 000, hein. Non 15k peut-être. Je mets les trucs. Ce qui nous fait un petit total de 14 000. Oh, dommage. On a fait battre notre record. Mais bon, en vrai, non, je peux la truite dorée qui vaut 15k, donc logiquement, on l'a battu notre record. Est-ce qu'on prendrait pas un petit congélateur pour mettre des bébés dedans? On achète, comme ça nous fait le haut fait. Paf! Couper du bois, pêcher un hippocampe. Bon, ça c'est en mer. Est-ce qu'on a fait un autre trophée là-dedans? Je crois pas. Hein. Nope, ça m'a l'air bien.
Ah, ensuite, bébétopédie. Comment ça, le bonjour des voisins, quoi? Bien sûr, on a passé en visite aux habitants des îles voisinantes. Ah non, ok, d'accord. Oui, bon, faut aller voir ça, faut aller voir des gens en ligne. Chose que je n'ai fait qu'une fois, du coup, vu que j'ai visité l'île de Virginie. La truite dorée! Eh oui, regardez la période d'activité. Là, pendant 3 mois, j'aurais été baisé, j'aurais pu plus. Ça aurait été impossible d'en avoir une autre. Donc, on est bien content. Tum tum tum. Paf! Congélateur, on va le mettre dans l'entrepôt, on a rien à secouer en vrai. Bon, on l'a fait en 1h15, la truc dorée, c'est bien. Entreposons ce congélateur qui ne sert à rien. Reprenons des appâts. Une canne à pêche. Et on va checker vite fait le GDoc. Alors. Toute l'année. J'ai déjà l'anchois. L'Arapaima. Arapaima. Rivière 6, de juin à septembre. Juin, juillet, toute l'année. Toute l'année. Bar, on a déjà bar commun, on a déjà. Bichir, juin à septembre. Ok, on n'a pas. Novembre à mars, Bouvière, on pourra pas en avoir. Septembre à décembre, Brochet, on pourra pas en avoir. Décembre à août, on pourra. Ah, décembre à août, si on peut, Calmar. Bon, j'ai déjà. Carangue à grosse tête. De mai à octobre, ça on peut. On va aller pêcher sur le ponton. Carassin, j'ai. Cardo, j'ai. Carpe, j'ai. Carpe-coy. Carpe-coy, 16h à 9h du matin, toute l'année, étang. Ok, donc ça on pourra le choper plus tard, c'est pas très important. Chefaine, rivière, 9h à 16h, toute l'année, donc ça c'est pareil, il faudrait que je joue le matin. Chincharge, déjà, Clionne. Ah, c'est ça, Clionne, de décembre à mars. Donc ça, je pourrais pas le choper. Ok. C'est la camp, toute l'année, quand il pleut. Le combattant. Rivière de 9h à 16h, donc le matin. Mai octobre, je peux. Mai octobre, si je peux. Le coryphène, je peux. Septembre à novembre, je peux pas. Le crabe chinois. Le crapet, toute l'année. Cyprin doré, toute l'année. Décembre à mars, je peux plus. Le dayu. Ah, le dayu, rivière falaise, ouais, c'est comme la truc dorée en fait. Okay. Le dorado, rivière. De juin à septembre, donc on pourra bientôt. Écrevisse, j'en ai déjà. Éperlan, j'en ai pas. Décembre à février. Assez peu, décembre à février. Esturgeon. 24 heures de septembre à mars. Donc ça, je pourrais plus en choper des esturgeons, malheureusement. Fondue le barré. Avril à août. Avril, oui, c'est bon, je peux. Étang. Le gar. C'est quoi ce poisson? Je connais pas. Étang. De juin à septembre, ok, toute l'année. Gobie de douce, j'ai déjà. Grand requin blanc. De juin à septembre, on pourra pas. Mai à août, grenouille, j'ai. Guppy. Avril à novembre, rivière. Limande, je peux plus. Loge d'étanger. Lune de mer, de juillet à septembre, donc bientôt. Macropina, toute l'année. Mer, donc ça, je peux bientôt. Juillet à septembre et novembre à avril. Ok, donc le marlin bleu, ça sera en juillet. La murène, août à octobre, donc été. Été, Napoléon, été. Le néon bleu, je peux le choper, ça par contre. Rivière, avril à novembre. C'est le matin uniquement. Omble, bah, j'en ai un. Perche jaune, j'en ai pas. Rivière, 21h à 4h du matin, ok. Ok, donc octobre à mars, donc je pourrais pas en choper une. Piranha, de juin, donc été, mai, octobre. Poisson arc-en-ciel, rivière. Ça, je peux le choper, le matin. Poisson docteur. Poisson docteur, j'avais entendu parler de ça. Mai à septembre, je peux le choper. Novembre à mars, c'est baisé pour le poisson lanterne. Poisson porc-épic, juillet à septembre. Poisson rouge, ok. Bon, on va aller sur le ponton déjà. On finira de regarder le reste plus tard. Le ponton, j'ai pas besoin d'équiper ma petite perche. On va essayer le ponton. En espérant châter un aileron. Un aileron ou un poisson qu'on a pas encore. Hein. Ah merde, putain, mais faut que j'arrête de courir quand je vois des troncs d'arbres, je suis un débile. Je le sais qu'il y a des troncs d'arbres sont là en plus. Salut toi. Parle-moi d'un truc. Une veste sobre, c'est de classe. La prochaine fois que tu vas faire les boutiques, pense à m'embarquer avec toi. J'y penserai, hein. T'as pas.
Alors, c'est ici. Ici, on peut avoir des poissons très très rares, apparemment. C'est-à-dire pas ce genre de merde. Ah, d'accord. Alors, je prends le coup de main parce que ça va. Quoi ? Hippocampe, bah c'est fait. Voilà, facile. Facile, je vous fais. Merde. Par contre, poisson, je n'ai toujours pas eu. De ballon, pardon. Ça, ça peut être un parc. Je sais pas, je connais pas encore la taille des poissons de mer. Hein. Je connais que les poissons de rivière. Merde, putain, mais je lance tellement mal. Vivano, 3000 clochettes. Ça, ça me vient aussi. Hein. Je vais voir un aileron là, ça va être trop stylé. Putain, mais. Ah, ça, c'est mort. Aïe aïe aïe, les poissons qui trollent. C'est moi qui s'est pas lancé. Par contre, si c'est un spot à Vivano aussi, on va être riche, hein, je vous le dis. Si tous les gros poissons c'est des Vivano, on est ultra riche. Hein. Parce que là, on a pêché 3 poissons, on a déjà 8000. Hein. Après, j'ai peut-être eu de la chatte. On le saura après un plus grand nombre de lancers. La loi des grands nombres. Chinchard. Voilà, le chinchard c'est le poisson troll d'ici. Hein. Chinchard ça vaut 150 ici. Gros poisson ça. Est-ce que c'est encore un Vivano? C'est encore un Vivano, c'est un sketch. Hein. Non, ok, ok. Là on va commencer à se faire troll je pense. On va commencer à se faire troll sale. Le jeu a été sympa pour notre poisson et maintenant c'est la sauce. Ça c'est la même chose. Logiquement c'est la même chose, attention. Le cardo. Ça pareil ça vaut rien, c'est un cardo. Ah ça vaut 800 quand même, ok. Cardo ça vaut. Autant dans les Animal Crossing c'était du troll, là dans celui-là ça, ils ont réévalué le prix. Putain. Franchement ils rendent fou à changer d'orientation une demi-seconde avant que tu lances. Hein. Et tous les poissons font ça. Hein. Petit poisson clown. Poisson clown, ça vaut 500. Ça, c'est un bar ou un cardo encore. Allez, un aileron, s'il vous plaît. Que je sois choqué. Un petit requin, là. Ça mettrait trop bien de voir un requin. Non seulement ça serait vraiment trop stylé dans le musée, mais en plus. Ouais, yes. Parce que mon musée niveau poisson il est oh ouais non poisson j'ai déjà le poisson chirurgien. J'ai déjà eu cette petite prise. Scarus pareil ça vaut cher ça vaut 4000 je crois. En vrai, en mer, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup plus de thunes. Bon, sauf si on a que des barres, hein, comme d'hab. Ça, c'est un peu indépendant de notre volonté. Hein. Une barre, je vais filmer, ouais, c'est bien 400. C'est de la merde. Hein. C'est de la grosse brasse, les barres. Les petits poissons, il y a pas mal des bons poissons en vrai. Hein. Poisson clown, poisson chirurgien. Qui valent déjà un peu plus cher que le reste. Et les hippocampes aussi qui valent une blinde. Le prêt va être remboursé très très vite je pense du coup.
Le prochain va être 700 000, je pense, Issou. À part si le prix augmente de 100 000 à chaque fois que je l'achète. Moi, ça me va si ça augmente à chaque fois que de 100 000 que je l'achète, c'est ok. Hein. C'est 1 h 15 de farm en plus, ce qui semblerait logique. Si le jeu est linéaire en termes d'emprunt. Enfin, ça, je ne sais pas encore. Oh, le poisson ruban! Ça vaut 8 000, je crois, 9 000. Et les poissons ruban, je crois qu'il y avait un aileron pour en choper. Apparemment, je me suis trompé. Allô? Bon, déjà une première sortie dans la mer et on a déjà bien rentabilisé en vrai, hein, comparé à nos sorties rivière pour la truite dorée. Certes c'était important mais... Mis à part quelques poissons trolls là, on s'est mis extrêmement bien. Je pense que j'ai pour plus de 20 000 sur moi là. Et c'est pas fini. Si le jeu me refile un deuxième poisson ruban, c'est un scandale. Je vous le dis. Le Selekant, c'est vrai que. Pour le Selekant, faudrait que je me prenne un moment quand il pleuvra dans les jours prochains. Pour essayer de choper le Selekant. Bah, il va falloir que je me fasse un stack de palourdes du coup. Ça, je le ferai hors stream. Hein. C'est tellement boring. Bah, le plus boring c'est pas de les ramasser, c'est le craft vraiment. Hein. Ça prend 10 ans à chaque fois et on peut rien faire d'autre que spammer. C'est la fête au chinchard. Allez, dernier appât. Il n'y a pas d'aileron. On ne pourra pas rêver. Poisson scorpion, ok, on l'avait pas non plus, je sais pas combien ça vaut ça, j'ai oublié. Allez c'est parti. J'ai quoi, j'ai une place, deux places. Ouais, s'il y a des coquillages on va les prendre. Hein. Ces coquillages pareil, il faut en vendre un truc comme 500. Une fois qu'on aura fait les 500 on pourra arrêter d'en les ramasser. Et voilà. On est full. Ah, je t'avais bien entendu toi. Je t'avais bien entendu petit ballon. Faut vraiment avoir l'oreille. Hein. Qu'est-ce qu'on jette? On va jeter ça. Portée. Que c'est moche mais c'est déjà mieux que la jupe. Donc la jupe c'est terminé, on en parle plus. Prendre des fruits, ok. Je vais vite faire regarder la boîte pour voir comment ça vaut les trucs. Alors, donc l'hippocampe. C'est 1200. Ça c'est 3000. Ça c'est 800. Ça c'est 8000. Non, 9000 plutôt. Ça c'est de la merde. Ça c'est pas. C'est 1000. Ça c'est 600. Ça c'est 5000. Oh, 5000 de Scarus. What the fuck. J'ai aucun poisson que je garde là. J'ai déjà tout de toute façon. Oui. On a déjà tout dans le musée. Et donc à partir du mois de juin, là, déjà on va avoir plein de poissons, plein de nouveaux poissons qui vont apparaître. Je te mets les trucs. Là, va falloir passer à la caisse, monsieur. Ça va vous coûter très cher. Hein. Ah oui, ça fait 1 h pile qu'on pêche. 30 000 clochettes. On a fait 85 000 clochettes en 1 h.
porter ça au DAC. Parce qu'on peut pas porter plus de 100 000 clochettes sur nous, sinon ça fait des sacs. Est-ce qu'on peut planter des sacs de... Est-ce qu'on peut planter 100 000 clochettes? Parce que si on peut planter 100 000 clochettes, c'est broken en vrai. Faudrait que j'essaye demain. Parce que si on peut planter 100 000 clochettes et que l'arbre nous file 300 000 clochettes, c'est grave. Hein. Puis c'est le DAC. Merde. Attends, attends. Empocher. Voilà. On va faire ça comme ça. Sinon c'est la sauce. On pose le max dépôt. Voilà. On se déconnecte maintenant. Et on n'a plus aucune clochette sur nous, c'est parfait. Tout 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 tout. Faire un aller-retour, je pense. Je crois qu'il me reste un aller-retour d'appât. Après, c'est fini, Capri. Entreposer. Mon entrepôt. Ah, ça, il me reste un aller-retour. Dernier aller-retour d'appât. Je vais juste récupérer ça en même temps. Ça, on va pouvoir planter un arbre. Je serai content. Ça, on peut foutre ça là en attendant, c'est pas très grave, c'est pas... Lâcher... Planter... Voilà, très, très content. On peut les stocker là, dans le sable, parce que ça ne pousse pas dans le sable, ce genre de truc. C'est le coquillage. Parce que le coquillage, l'important c'est pas les sous qu'on fait, c'est juste de vendre des coquillages avec. Donc dès qu'il y en a, on les ramasse. Absolument rien, mais c'est toujours ça. On va retourner sur notre petit ponton. On va découvrir au cas où il y a des poissons. Évidemment, il n'y a rien. 30 000 l'aller-retour à la mer, très très worse on va dire. Ça m'étonnerait qu'on fasse mieux. Hein. Ouais, si je fais mieux, c'est grave. Hein. Allez, c'est que cet emprunt va être très très vite rentabilisé. Oh mais qu'est-ce que j'aime ça! C'est beau ça, les poissons qui mortent instantanément. Chose, calmar. Ça vaut 500, c'est pas extraordinaire. Hein. Non, mais putain, mais quel bâtard. Allez, mon petit bar là. Fais mordre, merci. Gare au baratin.
What the fuck, je l'ai vu mordre. La fatigue commence à s'installer, hein. 17h40, je suis mort. C'est grave, hein. Putain, les chinchards, c'est du trolling, monsieur. Il me reste plus beaucoup d'appât là. Fais-moi rêver le jeu. De ce que j'ai chopé dans les trois premiers poissons tout à l'heure. Tout à l'heure, deux vivanos en hippocampe. Là, c'est calmar, poisson scorpion et barre commun. Hein. Putain de bâtard de poisson. Oh là là, quel enfer! Si on n'est pas assez rapide, c'est vraiment l'enfer. Hein. Pour ça, je suis déçu. Hein. Je veux des ailerons. 100% de ailerons, je vais le fail. Oh, attends, il va m'en rentrer, je vais pas être prêt. Voilà, parfait. Ça, c'est des sous, ça. Une fois que, j'ai fini de faire la pêche, là on va aller. Oh, un poisson citron! Un poisson citron! Oui! Oh bah j'ai plus qu'à la pêche. Je crois que j'en ai une d'avance. J'espère. Oui. Neuf poissons pour rêver. Neuf poissons pour un aileron. Pour des putains de chachards en boucle. Putain, quel enfer. On peut avoir des poissons chirurgiens hein, pour la même taille. Hein. Ouais. Pas mal. Mais je comprends pas tout à l'heure qu'on ait chopé un poisson allemand, c'est très bizarre. Vu la taille du poisson qu'il y avait, c'était un petit poisson. C'était un poisson comme ça, voilà. Et on a chopé un poisson vivant, c'est très très étrange. Non mais sérieux. Scarius 4000, 5000 plutôt. Ça sauve les meubles, on va dire. Oh, tellement close, ça s'est joué à rien. Cinq à port. Un aileron. Je sais même pas si je touche pas un grand requin blanc, c'est quand ça s'en était. Après grand requin blanc, avec ma canne à pêche, je pense que je le sors pas. Hein. Si le jeu est réaliste, j'ai beau être un excellent pêcheur, il le verra jamais. Yes. J'ai beau être un excellent pêcheur, un requin blanc avec une canne en bois, et qu'un bouchon de liège, je veux bien voir dans la vraie vie quelqu'un qui fait ça, hein. Ça m'intéresse. Ah,
finir sur une note très salée. Hein. La note chinchard, elle est goobite un peu. Hein. Point, point, point. Cabochard que pétochard, let's go. Donc, en vrai, on va checker dans l'inventaire après comment j'ai chinchard parce que c'est grave. Hein. J'en ai une. Oh non, mais sérieux! Ça joue à rien! Avance. Merci. Scarus. Saloperie. Saloperie! 2, 4, 6, 8 chinchards. Putain, quel enfer! Aileron! Mais non. Ça peut être un Scarus après. C'est un Scarus, ça met bien, hein, Nigatune. Allez, mon petit. Fais-moi rêver. De ton beau pelage noir et blanc. Allez, barre-nous. On check les bords de plage, s'il n'y a pas des coquillages qui respawnent. Et on a dépensé 160 poissons, c'est grave. Hein. Alors on a hâte de courir ici parce qu'il y a des buts prestes. Hop, 2000 clochettes de plus. Le but prestement. Mais je l'ai pas celle-là, cette vanne. Hein. Si vous l'avez expliqué à moi, parce que je l'ai pas. Hein. Le but prestement. Alors je suis fou. Ouais, je suis fou. Ou alors il y en avait un, il vient de partir quoi. Dans ce cas là j'ai le seum. J'ai le seum, t'as le seum dans ta rhum. Bienvenue. Jette-moi les trucs. Ça dégage, hein, tout dégage. Hop. Est-ce qu'on a 15 000 ou pas? Je pense pas. Hein. On a eu tellement de. Oh, 17 000, non! Putain, on a eu tellement de chinchards pourtant! Ça fait. Ouais, on chope à peu près. On chope à peu près entre 80 et 90 000 clochettes par heure en pêchant. Ce qui n'est pas mal, hein, on va pas se mentir. C'est pas dégueu. Y'a rien d'autre là-dedans, on a déjà tout fait. On a tout fait. Barons-nous. On va essayer de faire les meubles pour la maison numéro 1 et après j'irai travailler. Allô, laissez-moi passer, merci. On va checker ce qu'il nous faut pour la maison numéro 1. On l'a posé ici. Parcelle 1, caisse de construction. Avis constructeur bénévole. Merci de déposer ici l'objet nécessaire suivant la procédure. Les objets de l'intérieur, on va commencer comme ça. Armoire poire, lit poire, pot. Ok. Armoire poire. Alors, création. Armoire poire, lit poire, pot. C'est pas ça. Pot, ça va être ça. Voilà. 5 argiles, on a. Lit poire. Armoire poire. On peut tout faire normal. On va quand même aller checker sur mon. Du côté de mon île. Il y a tous mes fruits. On va aller checker vite fait. S'il n'y a pas des poires qui ont hip-hop. Je sais pas combien j'en reste dans ma banque. Il doit pas m'en rester beaucoup. Donc déjà 6 de plus, c'est déjà bien. J'en ai vendu beaucoup, beaucoup malheureusement. Bon, j'ai bien fait de les vendre, mais j'aurais pu en garder quelques-unes. Logiquement, ça arrive pas demain.
Demain on aura la, le retour de la fête des poires. On se doit gueuler de qualité. Alors, il nous faut de l'argile, des 20 poires et du bois. Entrepôt. On a juste assez. Issou. Du bois et du bois tendre et de l'argile. Craftons. Alors, dans l'ordre, ça, armor poire, pièce d'ingénieur. Quelque autre chose. Le lit poire. C'est fait. Et le pot. Où est le pot? Là. Ok, donc on a fabriqué ça. Proposons le reste. Non, pas comme ça. Comme ça, voilà. Non. Aïe aïe aïe, je confonds trop mes touches. J'espère qu'il ne m'aura pas plus de poire parce qu'on en a plus. Hein. On est dans une période de sauce, on va dire. Courons. Si on trouve un bel insecte, on s'arrête et on prend. C'est-à-dire que là, on va arriver près des souches. Un petit bucresse, non? Non. Que de la merde. Alors, liste d'objets d'intérieur. Dépose un objet. Voilà. Alors, les objets d'extérieur maintenant. Tabouret en pierre, corde à linge. Ok. Alors, table en pierre et corde à linge. Corde à linge qui est. Ça, je suppose. Branche d'arbre 10. Ok, on a tout. Craftons ça. Petit retour. Un petit bout presque à pop, non? S'il vous plaît. Un petit bout presque à pop, parfait. Putain, mais c'est magique cet endroit. Hein. Ça, c'est 2000 clochettes. Hein. On en chope 150. Et on rembourse notre emprunt. Et tout à coup, le bout prestement. Je l'ai vraiment pas. Hein. Ça se trouve, c'est un jeu de mots avec un vieux mot français. Un vieux mot en vieux François que je ne connais pas. Peut-être ce qui expliquerait ce. Cette brasse que je me tape. Alors. On a dit branche d'arbre et beaucoup de pierres. Bon, je l'arbre, ça devrait suffire largement même. Les pierres, on va en prendre 30, comme ça on est tranquille. Au travail. Dans l'ordre, du coup, la corde à linge. Et ensuite. Truc en pierre, ils sont où? Tabouret en pierre et table en pierre. Je vais checker de fait c'est quoi le dernier truc en pierre parce que je crois pas qu'il y en ait besoin mais c'est quoi? Bah c'est un oiseau, non, ok. Ok, donc la maison numéro 1 est prête, normalement demain elle sera du coup installée. Il va falloir que j'aille chercher des habitants mais dedans. Allô? Merci. Il y a un autre insecte qui arrive pop. Ça, je sais pas comment ça vaut le Capricorne. Faut que j'apprenne. Je vais le choper là pour vous le vendre pour voir comment ça coûte. Voir si ça vaut le coup de le choper ou pas. Orange ou citron? Ok, il y en a plus. Extérieur. Les objets extérieurs, mais c'est déplacer les divers objets qui autour de la parcelle. Ah ok, ça marche. Alors plaçons ça là. Corde à linge.
on rangera après, hein, spot. Tabour en pierre. Et la table en pierre. Sérieux? Tu fiches mon gueule? Voilà. Oh, ça y est, les objets d'intérieur et d'extérieur pour cette maison ont tous été livrés. Ok, donc ça c'est bon. Suivez. Ah, il est pas là. Prenons-le. Alors, maison numéro 2. Intérieur. Ifi, bloc de bois, table, bloc de bois, couronne lisse. Donc, couronne lisse, on a déjà. Table, bloc de bois, ifi, bloc de bois. Collectionnite. Plus j'ai le catalogue rempli, ok, ça marche. Et donc on a dit vite fait. Ifi, bloc de bois. Je regarde après ce que tu m'as envoyé. Ifi, bloc de bois, ça doit être ça. Jeu, bloc de bois. Jeu, bloc de bois, ça doit être ça. Bois tendre. Bois tendre, pépite de fer, ok. Et... j'ai oublié le deuxième truc, pute. Aïe aïe aïe. Table bloc de bois, ok. Chaise de jardin naturel, table de jardin naturel, bassin voisin. Alors table, hein. Création, regarde vite fait. Donc c'est ça, ça, into, table bloc de bois, ok. Into, chaise naturelle, table de jardin naturel, chaise naturelle et bassin oiseau, ok. On va essayer de tout faire en une fois, si ma mémoire n'est pas défaillante. Merde, le Capricorne. Ça, c'est une sauterelle de merde. On va juste checker vite fait la boîte. Comme ça, en même temps, en faisant d'autres choses, ça fait travailler notre mémoire. Hein. Il va falloir que je me souvienne de tout. Oui, je peux vendre. Le Capricorne, tu le marches à combien? C'est de la merde! Ça vaut 400? Non, moins. 350. Okay, donc on arrête de prendre des capricornes des agrumes, ça ne sert à rien. Alors on va checker ce qu'il nous faut. Donc il nous faut du bois tendre, des pépites de fer. Alors il nous faut ça, donc de la pierre, 6. Into. Bois dur, pépites de fer. Donc bois dur, pépites de fer, ok. Bois tendre. Bois tendre, bois dur, pépites de fer. Bois dur. Bois tendre. Pépite de fer. Pierre. Je crois que c'est tout. J'espère que c'est tout. J'ai pas envie de faire ça pour rien. Alors. Bassin oiseau, oui. Déjà ça c'est fait. Ensuite. La couronne de lys, faut que je la reprenne dans mon entrepôt. Ça, oui. Ensuite la table de jardin naturel. Ensuite qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Le jeu de blocs de bois. Faut que j'y recherche une boîte, hein. Et le ici bloc de bois. Arrêtez pour l'instant. Alors, ensuite dans mon entrepôt, il me faut ma couronne de lys. Où est-elle? Là. Alors, vérifions. 1, 2, 3, 4, 5. Il manque un truc. Il manque un truc. Aïe aïe aïe, la table bloc de bois. Il me refait un jeu bloc de bois. J'espère que c'est la table. Hein. J'espère que je me suis pas trompé. Sans pire, j'aurais fait un meuble en plus, c'est pas très grave. Ah, je suis sûr que c'est la table.
Normalement on a tout, si on n'est pas bourré. Un petit plus près s'il vous plaît. Et non. Eh hey. Tiens, c'est une radio portable. Prends la, discute pas. Merci. T'es toujours là quand j'ai besoin d'un coup de main. Alors c'est moyen de te remercier. Attention, si tu continues de te faire sympa avec moi, j'arrêterai pas de te faire des cadeaux. Bah, hésite pas. Hein. Bon, je te fous dehors de mon île, toi. Petite erreur de la nature. Hein. Paf. Extérieur, on vérifie. Ouais, c'est bon. Arrêtez de lire. Alors, non, alors, on va mettre le bassin oiseau, la chaise naturelle et la table. Voilà. Ok, il me reste plus que la parcelle numéro 3. Lit en bois, chaise en bois, cruche en terre. Ok. Et extérieur. Table tronc, banc tronc, soit en bois. Alors. Banc tronc, table tronc. Chaise long. Non, ça oui, c'est sûr. Table tronc, banc tronc. J'ai oublié le dernier. Soit en bois, ok. Et après, c'était cruche en terre. J'ai oublié. Lit en bois, chaise en bois, cruche en terre. Au pire, je referai un aller-retour. Hein. Tan, tan, tan. Faudrait que je mette plus de troncs d'arbres, je pense, là. Hein. C'est la cruche. Ah! Bah super, super. Je suppose que c'est pour les insectes que tu m'as envoyé, Rina. Est-ce que j'ai des trucs sur moi ou est-ce que j'ai rien sur moi? Cruche en terre, on peut pas la faire tout de suite. Ça, je peux le faire. C'est autre chose. Alors, il me faut du bois, plein. Et de l'argile. Voilà. Alors, on va faire cruche en terre, saut en bois. Du coup, le banc tronc, je l'ai fait ou pas? Oui, je l'ai fait. Table tronc. Table tronc into. Chaise en bois. Table de chevet bois, oui. Enfin, je crois. Hein. Enfin, la mémoire défaillante, c'est grave. Hein. On va dire que c'est ça. Hein. Si c'est pas ça, au pire, ça sera fait. Ça sort dans l'entrepôt, c'est pas perdu. Into. Saut en bois et cruche de terre. Saut en bois. De terre et je crois qu'on est bon, j'espère. Est-ce qu'on a 6 meubles sur nous? Inch'Allah, Inch'Allah. Alors ça c'est la radio, ça dégage. On a 6 meubles, on espère que c'est les bons trucs. Sinon on pleure du sang. Et barre en nous. Mmh.
truc en bout. Casse-toi. Tu veux pas le coup. Le macaron, ça vaut rien. Vas-y, allez, vas-y, mon petit. Allez, bouloche. Chop. Non, mais là, tu hintes là. Allez. Allez, bouloche. Ok, je sais pas ce qu'il mange. On papote. Quel crack. Bon bah du coup il veut pas capturer son papillon. Là il y a une souche. Tellement choupinou. Elle a pas réussi à le choper hein, terrible. Lit en bois il fallait. Aïe aïe la tête de chevet qui ne sert à rien. Aïe aïe aïe. J'ai envie de me tuer. Table trombe en trousse en bois. Le saut. Merde. On va pas le mettre, on va le mettre là. Vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, vous n'avez pas l'œil. Vite. Attends un peu, sinon ça va tomber dans la flotte et je vois le seum. Paf. Ça peut pas être le meuble que j'ai pas fait par hasard. Super. Super. Alors on a dit ensuite. Bon tronc. Ah mais non, je vais pas le mettre comme ça, mais je vais le mettre de l'autre côté. Voilà, comme ça. Table tronc. Oh, tu fais pas d'efforts aussi. Quoi? Encore plus de cruches. Non, les cruches, j'ai la cruche, y'a pas de problème. L'argile, on a déjà, on sait plus quoi en foutre. Hein. Putain, le lit en bois, il me faut. Deux de Cuman, on l'appelle. Hein. J'arrive pas à souvenir de 6 items d'affilée, quoi. Non. Ça, je sais pas combien ça vaut, mais en aussi. Là. On va le prendre et on va voir comment ça coûte. Normalement, il y a une touche pour tourner et pousser, tirer les objets. Ah ouais? Ça serait logique. C'est peut-être qu'en mode créatif, non? Parce qu'il y a un mode qui permet juste d'aménager. De toute façon, je les mets juste comme ça pour l'instant, c'est juste que les maisons se construisent. Après, je rangerai proprement plus tard. On n'est pas à ça près. Bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'il me faut pour crafter cette merde? Putain, quel hinter. Lit en bois. 18 bois. C'est beaucoup quand même. J'ai plus beaucoup de bois en vrai. Alors, va falloir qu'on aille faire les fonds de placard. Hein. Lit en bois. Paf. Ça dégage. Les d'argile. On va faire plus de cruches. Table de cheveux en bois entreposée, ça ne sert à rien. Puis on va les vendre vite fait à la boîte, on va voir combien vend un marmocile. Savoir si on le capture ou pas. Et si c'est le même prix qu'un capricorne, ça vaut pas le coup. Hein. On oublie direct. Oui. Ok, on oublie, ça vaut 500. Poubelle. Poubelle le marmocile, comme le capricorne des agrumes. Ça dégage. Allez, ça dégage. Ça vaut rien, ça. Ça, par contre, ça on dit oui, ça. On s'approche tout doucement. Ninja. Et 2000 clochettes. Bon, Rihanna, toi qui es très intelligente, est-ce que tu l'as cette blague ou pas? Et tout à coup, le but preste ment. Moi, je l'ai pas. Si tu peux me l'expliquer, ça m'arrangerait.
Le buprestement. Est-ce que c'est un vieux mot que personne n'utilise et, Ça y est, tous les préparatifs pour les nouvelles maisons et les mobiliers sont terminés. Incroyable. Allons voir Tom Nook. Merde! Forcément, faut que ça soit le premier tronc, quoi. Quel troller! Putain, j'ai le seum. Salut, Tom Nook. Ah, Monsieur Lovely! Bonjour, bonjour. Où en es-tu depuis la dernière fois? Tu as bientôt fini avec les parcelles, les meubles et la déco? J'ai fini. Ça alors, sans blague! Merci mille fois pour tous tes efforts! Autrement dit, à partir de maintenant, tu n'as plus rien à faire! Moi, je vais tout de suite donner le feu vert pour la construction. Les nouveaux venus seront ravis. Je tiens à ce que ce chantier soit mené très vite et très bien. Si tout se passe comme prévu, une nouvelle tête se présentera dès demain. En fait, je compte informer les résidents des arrivées et des départs au cours de mes bulletins insulaires. Par contre, j'ai écrit le nom des nouveaux venus sur la pancarte de leur parcelle, quand je les connaîtrai. Alors, si la curiosité te titille, te gratouille puis t'empêcher de fermer l'œil, jette-en un ou pancarte? Voilà, cher ami, il ne reste plus qu'à te dire grand merci. Ah, laisse-moi t'offrir un petit quelque chose pour te remercier. C'est pour toi. Donne-moi. Quoi? C'est que t'es au sol. Une clôture. Et tu auras une cour. Entoure quelques fleurs et boum, te voilà avec un jardin. La clôture, ça va être une base du créateur de cours, de parc ou des éléments extérieurs un peu élégants. Super. Super. Des plans de clôture à bricoler soi-même pour une poignée de My Nook. On a moins garde l'œil sur le Nook Stop. Ok. On va aller acheter toutes les clôtures. Aucun doute là-dessus. Parce que du coup, comment ça se passe avec Monica là? Elle vient Monica ou elle vient pas? Ou c'est des gens random hein? Mainux. Clôture barbelée. On prend, hein, de toute façon. On apprend des plans, de toute façon. Faut tous les apprendre. Hein. Mais c'est pas les meilleurs. Bah là, les deux barrières qu'on a là, c'est vraiment les. Les barrières pour faire la guerre, quoi. C'est pas les plus belles. Hein. Clôture et pieux. Ça donne envie, hein. Tu mets ça autour de ta maison, c'est convivial, quoi. On va regarder ce qu'il y a d'autre, hein, mais normalement, il y a rien d'autre intéressant. Les fringues toujours les mêmes. Sac à dos, oui. Tu reçois l'article de ton choix chez toi par courrier. Non merci. Alors, clôture barbelée. Ah d'accord, j'ai compris. Pokechamp. Bon, puis les clôtures là qu'il m'a donné, on va les poser dans l'entrepôt parce que en vrai. Ils sont dégueulasses, on va pas se mentir. Hein. On va aller d'abord passer à la boutique. Vendre tout ce qu'on a à vendre avant de partir. J'aimerais faire une petite expédition quand même avant de bouger. Histoire de voir si je peux choper pas un autre PNJ un peu plus intéressant que ce que j'ai déjà. Salut mon pote. Je prends les trucs. Ça mon gars, les buprest. Mais qui dort? Mélo il dort. Marché conclu. Paf. 1 000 000, merci mille fois. On se prépare de faire un stuff pour partir en expédition du coup. Qu'est-ce qu'elle est belle cette truite dorée. Zboin. Entrepôt de ça. Ça me sert à rien pour l'instant. Il me faut du coup des haches. Pelle, on va en reprendre une au cas où. Entrepôt. On prend une pelle. Canne à pêche, oui. Une hache.
Et on va pas couper les arbres, donc on s'en fout pour l'instant. Sont mes nouveaux plans. Mignon. Bois dur. Une clôture, ça coûte si cher que ça? What the fuck? En plus, elles sont dégueulasses. Mon filet usé, je vais le foutre là. Logiquement, mon filet, il va bientôt claquer. Je peux pas le poser par terre? Ah, c'est parce que je l'ai en main. Ok. Placer. Putain, quel enfer. Faut que je ressorte de la maison et que je rentre dedans, là, pour de vrai. C'est grave, hein. La pelle, du coup, celle-là, on peut la poser par terre. Parce que c'est une vieille pelle. Puis le reste, c'est bon, hein. Est-ce que dans mon entrepôt, j'ai déjà un ticket Mynook? Non. Ça, c'est l'étiquette de Sarah. Oui. Il va falloir que je sorte pour rentrer. Putain, c'est grave, hein. Allez, on peut pas équiper des petits quand on est à la maison. Alors, on équipe l'autre filet. En espérant qu'on ait un PNJ intéressant. Ça, c'est l'usé. L'usé, on va les mettre comme ça. Hein. Comme ça, on les reconnaîtra. On a tout ce qu'il nous faut là. Je vais vérifier ton hache, pelle, canne, machin. Je vais regarder vite fait s'il manque comme outil parce que. On a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Ouais, c'est bon. Achetons un ticket. Partons en expédition. Salut Dreadwix. Comment vas-tu? On part une fin d'expédition. On va espérer trouver un nouvel habitant stylé. Parce que j'ai pas envie que le jeu me mette des habitants de base éclatés au sol comme Gertrude. Gertrude, j'ai envie de me couper les veines à chaque fois que je la vois. Oui. Sachant qu'il n'y aura pas grand chose à faire sur l'île, donc on va juste checker l'habitant, récupérer des fruits s'il y a des fruits, puis on se casse. Des fleurs s'il y a des belles fleurs, ça m'étonnerait, mais. On sait jamais. Avec un peu de chance, on peut peut-être trouver des roses violettes. Je viens de commencer. Dreadwick, c'est mon quatrième jour. Je suis à, on va dire, 12 heures, entre 12 et 15 heures de jeu. Très très bien, je te remercie. J'ai pas prévu, on va dire, entre 12 et 15 heures de jeu. Je sais pas exactement, parce que j'ai pas checké ni j'ai pas noté. Mais je suis au tout début de cette aventure. Incroyable. Salut mon pote. Salut, salut! Eh ben, je vais voyager, mon gars. Ok, ok. Nope, Redwick, je n'ai pas envie d'ouvrir mon île pour l'instant. J'ai envie de découvrir le jeu solo. Après, si. Moi, comme j'ai fait. La dernière fois, c'était quelqu'un qui voulait que. Moi, ça me dérange pas d'aller visiter les îles des autres. Mais pour l'instant, personne ne viendra sur la mienne. Le temps que j'avance un peu dans le jeu, que. Parce que je ne veux pas d'aide ou je veux pas quoi que ce soit qui puisse arriver sur lui, en fait. Si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'on m'a déjà proposé un nombre incalculable d'aide, et à chaque fois j'ai refusé. Parce que je ne cherche pas à aller très très vite dans le jeu, je veux profiter de cette expérience. Allez, c'est parti. Ok, confirmant atterrissage sur la destination, double data Oscar sur le tarmac. De mon côté, je tiens mon poste ici, si t'as besoin de pousser, si tu veux rentrer chez toi, viens me voir. En attendant, bon vent. Alors, on prend. Ça. On va checker vite fait les insectes, mais à mon avis, il n'y aura pas grand chose d'intéressant. Ok, tu peux visiter mon île. Ouais, alors, pas tout de suite. Je reviendrai ce soir si tu veux, mais. Je vais pas tarder d'arrêter de jouer. Hein. Là, en gros je fais cette expédition de Redwix et après j'arrête de jouer. Donc, je serai bien chaud de visiter ton île plus tard, si dans la soirée, si tu es là.
fleurs c'est du lys donc on s'en fout, hein, on va pas se mentir. On s'en bat les steaks du lys. Par contre les herbes sauvages, on veut. On bête toi à 2000. On n'a pas vu la gueule du PNJ encore. On prie pour soi quelqu'un stylé. Merci pour le follow Drenix. Bienvenue. Bon, on a encore une ligue des poires, on n'a pas de chat, hein. Ça c'est classique. Où est-ce qu'il est le PNJ là? On s'en fiche des poissons, alors si on peut leur faire peur, on leur fait peur. Hein. Ah, c'est des poires, on en a plus beaucoup. Mais après, on cherche toujours les autres fruits qu'on n'a pas encore. C'est dommage qu'il y ait personne sur l'île ou pas? Les mauvaises herbes, juste taper le caillou là comme ça on monte plus ici. Pelle. Pépite d'or. Oh, il a mis bien ce caillou en vrai. Hein. Hop, ça dégage. Non. Ma hache, je suis favori. Là, on va mettre la hache, en pierre. Voilà, on s'en prend le bois. On en profite tant qu'on est là-haut. Je crois pas qu'il y ait d'autres arbres ici. Non, les autres arbres ils sont sur le bas de l'île. Par contre, il est où le PNJ là, wesh? Ça vaut 800, c'est pas très intéressant à prendre. Hop. Allez, une autre pépite d'or, ça serait bien. Il faut de la tunasse. Merde. Enfin, j'aurai pas le 9ème. Ouais. J'ai tchouk. De pierre. On a le bateau à court de bois. Hein. Bois tant de bois dur, on en a plein, mais du bois, on en a plus tant que ça. Hein. Bon, je sais pas si c'est normal qu'il y ait personne sur l'île. Peut-être qu'il se cache. D'où elle se cache. Personne? C'est la première fois que je fais une expédition, il n'y a personne, c'est. Je sais pas, c'est normal ou pas. Et un... Oh, trop bien ça. Ça, c'est cool. C'est pas obligatoire d'avoir un message dans une bouteille sur une île, on a eu de la chance. Sac à dos végétal tressé. Non, celui-là, il peut être stylé, ce sac à dos. Il y a moyen en tout cas. Bon, pourquoi y'a pas de PNJ? Très bizarre. Bah non, je vais tourner, y'a personne. C'est très bizarre. Alors, prenons la pelle. Faut le faire, c'est bien ça, allez. Encore. Pute. Bon bah. C'est problématique, on peut pas setup notre truc correctement.
Bon, j'ai l'impression qu'il y en a eu beaucoup d'herbes. 75. C'est bien, c'est une bonne île, ça, en vrai. Hormis le fait qu'il y avait personne dessus, mais... Là, par contre, sur celui-là, je vais essayer de taper comme ça, Caillou, mais... Sans grande conviction. Et puis d'or. J'ai fait 8. J'ai fait le max, parfait. Aller taper les arbres et on peut se casser d'ici. Je vais juste voir à quoi ressemble le petit sac qu'on a eu. Ah oui, il est bien. Ouais, ça va. Bon, ça fait un peu meuf, mais. Mais il est propre. Hop. C'est fait. Allez, il me reste 4 arbres à faire, on peut se casser. Merde. Hop. Ouais. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une guêpe qui vient de m'embêter ici. C'est pas très gênant. Hein. Faut que je me mets ici. Normal, pas du bois tendre. Allez, dernier arbre, on va taper les cocotiers après. Je sais pas si dessus il y a du bois sur les cocotiers. Voilà. Au moins on partira pas les mains vides. On peut se barrer, voilà. 18h28, parfait, le timing en est bon. Salut mon pote. Double Delta Oscar, Victor Android, il a besoin d'assistance. Tu veux rentrer. Tu veux plier les bagages et remettre le cap sur Clinifield, soit sur le toit, je m'en voudrais si tu veux me mettre quelque chose derrière toi. Alors on est parti. Oui. Bien reçu, décollage, t'envoie Delta Sierra. Allez, c'est parti, retour sur notre petite île. On va poser ça dans l'entrepôt. Et après, moi je vous dis au revoir. Et Dreadwix, ouais, j'hésiterai ton île ce soir si t'es là. Avec plaisir. Ouais, c'est parti. Barrons-nous. Chose à vendre ou pas? Juste la guêpe, mais on vendra plus tard, c'est pas très important. Posons tout ça. Merde, pas comme ça. Alors on a ramené des poires. Entreposons. Les coconuts, on va les mettre aussi là-dedans. 17 fer, c'est bien en vrai pour une expédition. 2 minerais d'or, j'en parle même pas, c'est un sketch. 10 bois de chaque à peu près, c'est bien aussi. Et surtout, 78 herbes à vendre. Excellent. Ça, on va pas arrêter pile 18h30. Parfait. Donc logiquement j'aurai un habitant qui va arriver un habitant qui va arriver par jour. En espérant que Monica soit dans les premières à arriver. Sinon je somme. C'est pas les trucs. Je vais vendre ça, ça, ça. Mes 78 herbes. Et clipiastre. Merci. C'est peu 4000 jets, mais c'est toujours ça. On avance petit à petit vers le quatrième emprunt. Fait. Hop, ça c'est des mains en plus, c'est gratuit. Ça on verra plus tard. Voilà. Moi je vais arrêter de jouer là. Merci à ceux qui ont suivi le stream, merci aux nouveaux follow.
des bisous et je reviens tout à l'heure vers normalement vers 22h. Si je suis pas trop fatigué, je stream, sinon bah, il sera demain après-midi. Des bisous, bonne soirée tout le monde et à bientôt. Paf.